Nous allons évoquer aujourd'hui les causes aristotéliciennes, les causes définies par le grand philosophe grec Aristote. En fait, Aristote distingue quatre types de causes. La cause matérielle, la cause efficiente ou les causes efficientes, la cause formelle et enfin la cause finale. Prenons un exemple tout simple et nous allons chaque fois nous poser la question du pourquoi. Exemple tout simple, la maison. Pourquoi cette maison? À cause des briques. Cause matérielle. Pourquoi cette maison? À cause d'un architecte, à cause d'un charpentier, d'un menuisier, d'un ébéniste, etc. Cause efficiente et même cause efficiente au pluriel. Pourquoi cette maison? Pour le plaisir d'y habiter. Cause finale. Mais aucune de ces causes ne ferait une maison s'il n'y avait au préalable l'idée même de la maison dans l'esprit des bâtisseurs. En fait, pour Platon, l'idée existe dans un monde séparé, souvenez-vous, dans un monde des idées, dans le monde intelligible, dans le monde nouménal. Pour Aristote, cette idée existe, comme je disais auparavant, dans l'esprit même des bâtisseurs. Ramenons les idées de Platon sur terre. Voilà la proposition aristotélicienne, voilà la proposition d'Aristote. Et c'est donc ça la cause formelle, justement. L'idée même de la maison. Cause formelle, quatrième et dernière cause, selon Aristote. Si on a bien compris l'exemple, la cause matérielle est donc la cause qui explique un être quelconque, par exemple une statue, par la matière, cause matérielle, par la matière qui la constitue, en l'occurrence par exemple du marbre pour la statue, pour la sculpture. Cause matérielle. La cause efficiente maintenant. Bien, la cause efficiente, c'est la cause qui produit ses effets par sa nature propre. C'est-à-dire que le sculpteur, en l'occurrence, pour reprendre notre exemple de la statue, de la sculpture, le sculpteur est la cause efficiente précisément de la sculpture. Comme les intempéries, comme la pollution, comme le tourisme de masse sont aussi des causes efficientes de son inexorable dégradation, de l'inexorable dégradation de cette statue, de cette sculpture. Voyons maintenant la cause finale. Et on répond bien sûr à cette cause finale par une fin, par une finalité, ou plus exactement par un but. Aristote nous dit « pourquoi marcher ?» Et Aristote nous dit « pour préserver sa santé ». Donc pour Aristote, la santé est bel et bien la cause finale de toute promenade. Oui, mais alors, pourquoi tous les hommes ne se promènent-ils pas? Et donc à cela, Spinoza répond que la santé est la cause finale de toute promenade si et seulement si le désir de santé est une cause efficiente.